Le poids de la poussière libre contenue dans l'univers est au moins égal au poids des corps célestes. Poussière du soleil, poussière des nuages. Appelée aérosol, la poussière en suspension a recouvert le monde. Très ancienne poussière du Sahara. Poussière saline dégagée par les vagues de la mer. Poussière vivante de pollen. Lourde poussière industrielle. Poussière des gares de Paris. Poussière des brouillards de Londres. Dans bien des régions, la quantité de poussière répandue dans l'air par les industries est considérable. Cité minière empoussiérée de jour et de nuit par la marche ininterrompue des fours à coke. Village pétrifié par la poussière blanche des fours à chaux. Poussière du métier. Ces lambeaux fibreux accrochés comme une vermine signalent une entreprise travaillant le lin. La batteuse, en brisant la fibre du lin, produit une poussière que la lumière du jour perce difficilement. Dans cette ambiance, un projecteur peut figurer un rayon de soleil. Cette poussière végétale en fer de lance, que l'on voit ici au microscope, provoque l'une des nombreuses affections pulmonaires dites pneumoconioses. Cependant, parmi toutes les variétés de poussière, la plus meurtrière est la poussière de silice. Si une cellule vivante absorbe une particule de poussière de silice, visible ici en tache blanche, la cellule intoxiquée est rapidement et entièrement détruite. En détruisant le tissu pulmonaire, la poussière de silice cause la plus grave des pneumoconioses, la silicose. Certaines professions sont particulièrement touchées par cette maladie. La mer qui réduit le roc siliceux en galets a provoqué l'éboulement des falaises de Normandie et laissé des amoncellements qui ont donné naissance à une étrange industrie, le broyage des galets de mer.
L'homme, imitant la mer, va faire du sable avec les galets, mais ce sable, utile à l'industrie, est dangereux pour l'homme. La poussière de silice dégagée par le broyage et le criblage des galets de mer a rendu nécessaire, à la suite d'accidents mortels, le port du masque de protection. Intercepté sur les machines par des filtres d'aspiration, une partie de la poussière est entraînée dans un courant d'eau. Ce sable, aux multiples destinées, sera utilisé aussi bien pour faire de la poudre de riz que pour les travaux de fonderie. Dessablage au jet de sable. Les grains viennent se briser sur une pièce de fonderie à décaper, libérant des particules de poussière siliceuse d'autant plus nocives qu'elles sont fines et fraîches. C'est une véritable évasion de la matière. La porcelaine de Limoges est faite de kaolin, de feldspath et de silice pur. Exécutée par le même ouvrier dans la tradition artisanale, le croûtage, le centrage et le calibrage de la pâte molle donneront sa forme à l'assiette de porcelaine. Après séchage, l'assiette est travaillée par le faiseur de bord. Son poste est l'un des plus exposés de la porcelainerie. Au tournasin et à l'abrasif, l'ouvrier enlève les bavures et disperse une abondante poussière riche en silice. Redoutable contact de la poussière que les bouches d'aspiration disputent aux alvéoles pulmonaires. Véritable acrobate, personnage de diversion, voici l'englobeur qui s'en va porter au four sa fragile porcelaine. De finition. L'useur de grains meule en pleine matière siliceuse les plus subtiles imperfections de cette porcelaine émaillée dont la transparence reste inimitable. Il peut se sentir parfaitement bien portant. La silicose est là, détectée par la radiographie. Montagne des Alpes, dont le pur climat revivifie les silicotiques.
montagne retentissant du tonnerre des tirs de mines. Traversé par des galeries de barrages, son roc siliceux est abattu à la dynamite. La volée d'explosion libère un nuage de poussière, la plus dangereuse de toutes. Des prélèvements sont effectués à l'aide d'appareils munis de filtres spéciaux. Envoyé au laboratoire, le filtre qui a recueilli la poussière est dissous dans un solvant. La poussière restée en suspension dans le liquide est isolée et examinée au microscope. Cette agitation perpétuelle de la poussière constitue le mouvement brownien. Après avoir été pesée, la poussière est comptée au moyen d'une échelle quadrillée. Celle-ci révèle que les nuages d'explosion dans les tunnels renferment une quantité record de poussière, plus de 200 millions de particules au litre d'air. L'étude microscopique des poussières a permis de constater que chacune de ces particules pouvait être absorbée par une goutte d'eau. Cette observation a encouragé la technique du forage humide, dont le percement des galeries de barrage. Forage humide. Les marteaux piqueurs permettent, grâce à des fleurets creux, une injection d'eau sous pression. Une partie de la poussière est ainsi abattue. La poussière restée en suspension dans la galerie est aspirée par ce conduit nommé canard. Si la toile d'araignée est sans doute le premier filtre à poussière qu'ait connu la nature, cette chambre expérimentale de 2000 mètres cubes est certainement unique au monde. On y essaie les appareils industriels de filtration des poussières. La combustion de ces chandelles donne naissance à des poussières dont les caractéristiques sont exactement connues et qui servent à expérimenter des dispositifs de modèles réduits, comme ce dépoussiéreur du type Cyclone, qui a reçu de nombreuses applications industrielles. Dans les charbonnages, le dépoussiérage est indispensable en raison du volume important des poussières dégagées. Les poussières dégagées dans la fabrication des boulets de charbon contiennent du brai, produit dangereux pour la peau. Les ouvriers s'en protègent en s'enduisant le visage de talc. Dans ces ateliers, la poussière captée est amenée au dépoussiéreur par des conduits d'aspiration, vue extérieure de l'installation.
les arbres de la forêt ont disparu de la vallée, ainsi que les puiseurs de bois. Et l'industrie du charbon de bois a enfermé ses serviteurs dans des fabriques. Mais qui dit enfermé dit empoussiéré, et la modernisation s'emploie à combattre ce qu'en partie elle a créé. Les très fines poussières du charbon de bois, puissamment aspirées, tombent ici dans les poches d'un appareil de dépoussiérage du type filtre à manche. Où l'effort technique est complété par la main-d'œuvre. Paysage couleur de poussière. Il était noir dans les mines, il est blanc dans les cimenteries. Importante réalisation industrielle. Le filtre électrostatique électrise les poussières de l'usine qui se déposent dans une chambre. Elle tombe alors dans une trémie de récupération. Les gaz seuls sont évacués à l'extérieur. Une coupure de courant qui arrête le dépoussiérage en démontre l'utilité si l'on songe que cette poussière en panache rejetée maintenant dans la nature était à l'intérieur de la cimenterie. Dans la lutte contre la poussière, le port du masque individuel doit parfois compléter ou suppléer la protection collective. Avant d'être utilisé par les travailleurs, les modèles sont essayés sur une tête en bois à respiration mécanique. Cependant, malgré toutes ces mesures de sécurité professionnelle, la question angoissante reste posée. L'homme dur au travail. L'homme du lin. L'homme du roc. Et son frère, l'homme du fond. L'homme du feu. L'homme plus puissant que les éléments qu'il discipline. Sera-t-il préservé contre la mortelle radioactivité des poussières atomiques? Aérosol qui menace le monde.